Allez, bonjour à tous, c'est ici Célandron pour le cinquième épisode de mon guide pour bien débuter à Towns. Alors, épisode un peu spécial à cause du massacre total de l'épisode précédent. Hein. On s'en souvient, j'ai perdu 4 villageois à cause d'un cochon zombie dont j'avais parlé dans l'épisode encore avant. Comme quoi, prémonition. Et du coup, c'est pas cool. J'ai dû changer mes plans. Et donc, on se retrouve à faire cet épisode un peu spécial. Parce qu'il sera plutôt court. Vous savez, d'habitude, j'ai l'habitude d'aborder 3 points sous un même thème dans un épisode. Mais là, ça craint tellement. J'ai dû changer mes plans. Et donc, dans cet épisode, nous allons aborder les armures, en tout cas le début. Nous allons faire des armures en bois. C'est l'armure de base, celle qui ne nécessite pas la forge pour être construite. Et ça protège un minimum. Donc, on va équiper nos villageois comme ça. Avec des armes et des armures en bois, histoire d'être un peu tranquille. Allez hop, on y va. On va charger la carte. Quitte pour bien débuter à Towns. On est reparti. Ouais, bah j'ai un peu les boules hein, pour l'épisode d'avant. Hein. C'est pour ça que je change mes plans. Et du coup, on va essayer de se concentrer maintenant sur augmenter le nombre de villageois. Ah tiens, happiness 1. Oh, bah dis donc, je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Alors, la dernière fois, oui, je vous avais laissé en train de construire ça. On va relâcher le jeu. Je ne veux pas de mouton. Hein. Attendez, je vais remonter. Pitié qu'il n'y ait pas de mouton. De cochon. Il y a un cochon là. Il y a un cochon là. Tuez-le. Ok, d'ac. Bon. Un autre ici. Je leur demandais avant qu'il se passe une catastrophe. Oula, j'ai quelques lags. Ok, d'ac. Donc. Oula. Oh, elle est arrivée jusqu'ici, la grenouille. Oh la vache. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'équipe rapidement en villageois. Hein. Donc, pour équiper, on va attendre. Hop, cet onglet est là. Militarise. Là, il y a la catégorie armure et la arme. On va commencer par les armures. On va demander. On a 6 villageois. Ça nécessite des Carpenter's Bench et des Wood Detailers. Donc, il faut à chaque fois 2 de bois. Hein. Pour chaque partie d'équipement, il y en a 4. Et nous verrons juste après comment mettre les équipements une fois qu'ils sont faits. Attendez, j'ai juste regardé un truc. Bone, Goblinite, Spiderite, Dayrite. Tout ça, hein, il faut creuser en dessous pour aller faire ses équipements. Cloth. Ah, il faut de la laine pour ça. Il faut des trucs de peau, c'est bizarre. Donc, on va faire que le wooden set, hein, c'est le seul qu'on peut faire. On va leur demander, bah du coup, 6 de chaque. Hein. Hop. Du coup, ça va coûter énormément de bois, hein. Et on va demander pareil pour les armes. Donc là, il y a les catégories d'armes, hein, pareil. Silver Other, je suppose que c'est celle des monstres. Ouais, c'est ça. Ce sont celles des monstres, mais bon, pas vraiment s'en occuper tout de suite. On va dans Wood, à moins qu'on puisse faire des trucs en pierre. Ouais, du coup, on a des Mason's Bench, ça devrait aller. On va se faire des trucs en pierre. Mm-hmm. Oh d'accord, j'étais juste en train de lire la description de l'item. Non. Bon alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Ben, ça c'est plus puissant, mais je suppose que ça... C'est plus galère à manier. Ça c'est mieux pour la défense. On va en prendre 4 et on va se faire des armes en bois un petit peu aussi. Voilà. Les arcs, c'est pas trop mal, hein. Franchement. Pour les héros, ça gère bien. Je sais pas du tout ce que ça donne pour les villageois, mais pour les héros, ça gère bien. On voit que je leur ai demandé de couper du bois. On va relâcher. J'ai cru voir une grenouille encore. Bon, toi, tu bouges pas. Hein. Tu vas pas plus loin. Je vais te surveiller pendant que j'accélère le temps. Il passe pas loin quand même, oula. Il passe pas loin, là je pense que le prochain qui passe, il va se la prendre. Hein.
Ouais, et du coup, il me faut un bouffer d'abord. Ils sont pas assez, il me faut un bouffer pour trop. On voit bien qu'il mange hein, sur la chaise, hein, bien sûr. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais diminuer les stocks en demande. 5. Ouais, c'est un peu beaucoup, 5. On va mettre 3. Du coup, ils sont plus beaucoup. Ça sert à rien d'en demander 5. 3. Voilà. Allez, allez. J'ai diminué les stocks. Normalement, vous en avez en supplément. Ça sert pas à grand chose d'en refaire. C'est bon. Ah oui, du coup, ils prennent tout ça à cause de l'ordre de priorité qui est Kesring d'abord. Quand est-ce qu'ils me font item construction? Ouais. Donc ils vont d'abord couper le bois et après ils vont faire la construction. J'attends juste qu'ils finissent. On va remonter d'un cran, voilà. Là, il devrait aller me couper le bois. Ah oui, du coup, il n'y a plus assez de stock. Ah, oh, vous m'énervez. Juste la grenouille qui doit traîner dans le coin. Elle est où? Ah bah, elle est là. Vous n'avez pas intérêt à passer par le haut. Hein. Allez, allez. Non, ça, c'est le problème, c'est que vos villageois... Ils sont vraiment con-con hein, par moment. Y a plus assez de villageois, c'est atroce. Du coup, les ordres, je peux me gratter, hein. Ok, d'accord. On va descendre de 2 crans. 3 crans. Ah oui, du coup j'ai en fait j'ai trop de. J'ai trop de demandes en blé. Blé ça va, on va laisser comme ça. Voilà, il coupe mon bois, ça c'est cool. Ah, ah m'énerve. Allez, tu me le butes. On sera où? Mortal et Wounded. Oh! Non, non, mais. Oh, que ça commence à m'énerver! Oui, voilà, ça y est, tu te finis quand même, hein! Oh là 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 là! Ok! Bon, bah, du coup, plus que 5. Encore plus à galère. Auto-save. C'est encore plus la galère. Du coup, ils me font mes items d'abord. Je suis au maximum de la vitesse. Hein. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça se passe pas du tout comme je veux et c'est souvent le cas dans Towns. Hein. Je suis franchement désolé. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein. Allez, faites-moi tout ça là, j'ai besoin. Les armures. C'est énervant, ils ont franchement plus assez quoi. Vous savez quoi? Non, c'est pas là, on va leur en demander que un. Et toi? Ça devrait largement suffire. Hein. De la vache, vous êtes des goinfres, vous arrêtez pas de manger. Mais faites-moi mes trucs au lieu de. Ah bah voilà, enfin. Elle fait encore à bouffer. Je sais que t'es une femme, mais quand même. Mais j'en ai... Oh, ça m'énerve. Allez, vous finissez ça, sinon ça...
faut garder son calme en jouant des fois. Surtout quand vous êtes à ce niveau-là, là, il reste plus assez de villageois. Il va falloir impérativement qu'au prochain épisode, je m'arrange pour qu'il y en ait qui viennent. Vous savez quoi d'ailleurs, je vais préparer le terrain. Je pense qu'on va mettre un quartier d'habitation par ici. Que je vais les détruire. Il évitera de se taper un tree keeper. Voilà. En ce temps, il buzz. Je suis désolé, c'est un peu chiant. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Enfin si, il y a moyen, je pourrais demander de tout couper, mais bon. Si je perds encore un villageois, je suis vraiment dans la caca. Hein. Voilà. Voilà. Alors, vous m'en faites. Bon, il reste plus grand chose à faire. Du coup, vous êtes en train de plus me faire à bouffer qu'autre chose. Ah si, quand même. Ça passe un minimum. Bon bah je vais continuer mon truc hein. Voilà. Là on a déjà de la place. Le cochon là, les cochons ils me font peur maintenant. Cause 2 là. Là il vous reste plus grand chose à faire. Ça y est, ils ont fini de tout poser, maintenant ils vont faire les armures. Ah ça y est. Pas trop tôt hein, franchement. Ah voilà. Donc on a une armure qui est posée au sol. Pour l'instant il les range pas parce que j'ai pas fait de zone de stockage pour armure. C'est pas bien grave. Il y a un casque par terre. Et du coup, ils se retrouvent tous à dormir. On n'a plus beaucoup qui bossent. Le taureau qui est toujours au milieu des champs. Je sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Hein, franchement. Bon. Ok. Et du coup, il me faudra bouffer encore. Hein. Vous savez quoi? En fait, ils prennent toujours les tartes. Les tartes aux pommes et aux poires parce que ça restaure plus que le pain. Donc, du coup, on va diminuer ça et on va en demander 5. Ça, on sera tranquille. Bah, si à chaque fois qu'ils me font un item, ils vont dormir, ça va pas aller. Tiens, d'ailleurs, j'avais complètement oublié. On va diminuer de 1 la demande pour chaque. Sert à rien de toute façon. Je comptais aussi vous montrer les militaires peut-être dans cet épisode, mais là je peux plus espérer hein. C'est fichu. Il faudrait plus de villageois, donc du coup si je mets des militaires qui sont inactifs ça va pas aller. Il faut que je creuse tout ça aussi. Allez hop. Parce que du coup je leur ai demandé des items qui nécessitaient pas mal de pierres et j'en ai plus du tout. Allez creuser. Voilà, ça c'est bien. Il reste un. C'est bon. Ok, 4 casques déjà. Allez. Vous savez quoi, je vais couper la séquence et puis j'ai laissé tourner une fois qu'ils ont tout repris. Je reviens à vous. Allez hop, je coupe la séquence, je vous retrouve tout de suite. Allez hop, je vous retrouve, ça y est, enfin ils ont tout fait. Ce que j'ai fait en attendant, ben j'ai simplement augmenté la demande de pain. Et j'avais réglé le panneau des priorités à un cran en dessous pour baking et cooking. Comme ça ils me faisaient les items et ensuite ils refaisaient la cuisine. Donc on voit, ça en fait plein, hein, ça en fait plein, il y a tous les items qui sont au sol. On a nos 4, oh déjà. Ah bah oui du coup, vu qu'il y a eu un gros trou. On voit qu'il y a tous nos items qui sont au sol. Et donc on va les équiper. Donc pour ça, vous allez
Ici, oh bah dis donc, ils ont un sacré happiness. Hein. Vous allez ici, donc ici vous voyez toutes leurs caractéristiques, comme ce que je vous avais dit dans les épisodes précédents. Je crois que c'est au premier épisode, oui voilà. Et donc vous avez les parties du corps où ils peuvent équiper des items. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer dessus et ensuite choisir quel item vous voulez. On voit que j'en ai 5, hein. Évidemment j'ai 5 villageois. Mais sinon, vous pouvez faire rapidement, vous faites auto-équipe, 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 auto-équipe et auto-équipe. Là du coup, il s'équipe tout seul de façon désordonnée. C'est le premier qui prendra la meilleure arme. Voilà. Tu vois, ils ont lâché un morceau de pain comme ça. Ok, d'accord. Bah du coup, il semblerait qu'ils m'ont fait un équipement de plus. Ah bah oui. Du coup, ils m'ont fait un équipement supplémentaire que... Ah bah non, c'est bon, il est juste en train de dormir, je pense. Voilà, ils sont équipés, donc du coup, ça a augmenté largement leur défense et leur attaque. Oui, c'est ça, donc ils sont plutôt... Enfin, pas boostés de malade, mais ça les a bien aidés, quoi. Voilà, donc... Du coup, ils vont se remettre à faire à manger tranquillement. Donc, il faut qu'ils reprennent du blé, tout ça. Bah voilà, ça y est, c'est fini. Je suis désolé, franchement, ça tourne un peu au massacre, mes épisodes, c'est vraiment dommage. Je voulais faire ça de façon plus calme et plus posée, de façon à ce qu'on n'ait pas de problème, mais dans Towns, tout peut arriver d'un instant à l'autre. C'est vraiment ça qui est assez galère. C'est que même moi qui joue pas trop mal à Towns, bon, je joue certainement moins bien que certains joueurs, hein, bien sûr, je prétends pas que je suis le meilleur. Mais je me retrouve souvent à confronter à des situations comme celle-là qui sont franchement galères à gérer. Et donc du coup, je pense qu'au prochain épisode, on va se concentrer à augmenter l'happiness de mes citoyens, de mes villageois, pour que d'autres viennent, parce que là, ça commence à devenir vraiment très critique. Ok, ben j'espère que ça vous a plu. Hein. Désolé encore si cet épisode-là n'était pas très drôle, mais c'est parce que je suis encore traumatisé de l'épisode précédent, en fait. Cet épisode précédent qui m'a un peu traumatisé, et donc du coup bah faut que je reprenne le coup. Ok. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez rien rater de mes prochaines vidéos. Et puis suivez-moi sur Twitter @Celandron. Et puis à la prochaine. Salut à tous.